Oui, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo spéciale. Donc je vous avais dit dans ma vidéo précédente, le tag me connaître de A à Z, je vous avais dit que j'allais vous faire une petite vidéo sur mon chien. Donc voilà, aujourd'hui je me suis dit ce serait sympa de la faire maintenant. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, continuez à regarder, sinon zappez. Donc voilà, pardon pour le bruit. Un gros camion évidemment, on a une ville, voilà quoi. Donc mon chien, c'est un Westie. Donc c'est un chien blanc, un petit chien comme ça, assez sympa. Il s'appelle Ruby. Donc c'est un mâle et il a, je pense, 2 ans, je pense. En fait, je vais vous expliquer. Donc depuis un petit temps maintenant, je voulais un chien. Et je voulais spécialement cette race en plus. Et donc, sur Facebook, je regarde un peu et tout. Et là, je vois une amie à moi qui donnait son chien en fait. Et donc, je me renseigne et tout parce que donner son chien, il y a sûrement une raison. Soit il aboie, soit il est méchant, soit il grogne, soit... Et puis il y a caca partout, ça te fait des bêtises, enfin bref. Donc je me renseigne un peu et je me dis oui, écoute, est-ce que, enfin pourquoi tu le donnes quoi? Parce qu'elle le vendait pas, hein, elle le donnait. Donc elle me fait écoute, c'est pas mon chien, je l'ai trouvé dans la rue et c'est pour ça que je le donne parce que j'ai déjà un chien et que je ne sais pas m'en occuper. Je fais donc tu l'as trouvé dans la rue et tout. Donc encore un peu plus choquant quoi, parce que bon, dans la rue ben on l'a sûrement abandonné ou quoi, donc je sais pas. Et donc je lui pose des questions. Ah, est-ce qu'il est propre, est-ce que ça va, enfin est-ce qu'il est gentil, etc. Toutes les questions. Puis il m'a fait oui, t'inquiète pas et tout, et c'est un très bon animal, très bon chien, très gentil, très adorable, très mignon, il fait pas de bêtises. Donc je fais bon, ok, bon, je vais quand même la croire, hein, on sait jamais. Et donc comme j'en voulais un trou, vraiment je voulais cette race de chien, donc je me suis dit bon allez, pourquoi pas, il a donné, donc voilà. Et puis maintenant il restait une autre affaire, mon propriétaire voulait pas que j'aie de chien. Donc je me suis un peu renseignée avec lui et tout, et bon finalement il m'a laissé le prendre. Et donc je l'ai pris et il était au début pas très à l'aise, c'est normal, je peux le comprendre. C'est une nouvelle, enfin une nouvelle famille, c'est une nouvelle personne qui s'occupe de lui. Donc je peux le comprendre qu'il était un peu distant, méfiant et tout le tralala. Et donc au fil des jours, franchement le premier jour, quand je suis allée à l'école, j'appréhendais un peu mon retour à la maison. Et en fait il s'avérait que bah, il n'a pas fait de bêtises le coco, il n'en a pas fait une seule. Et là j'étais vraiment stupéfaite, j'étais bouche bée, je fais oh bah ça c'est un bon chien, il fait pas de bêtises, il connaît pas la maison, il connaît pas le maître, il connaît pas le lieu, rien du tout, il n'y a pas d'odeur et il fait rien. Donc j'étais stupéfaite et tout, donc j'étais ravie. Et bon après, par après il a fait quelques petites bêtises et tout, mais bon c'est encore un bébé donc je peux le comprendre. Il faut encore un peu l'éduquer. Donc maintenant là ça fait 1 an que je l'ai. Donc, tout se passe à merveille, il est adorable, il est attaché à moi et voilà. Donc voilà, je vais vous le montrer tout de suite. Donc voilà la bête, voilà mon Ruby. Donc voilà, c'est un petit Westie, hein. Bon c'est un mâle alors il est un peu boule, un peu gros. Mais voilà, donc là il est allé aux toiletteur, donc il n'est pas très convenable pour la caméra. Donc voilà, non mais c'est vraiment un chien très adorable. Franchement ces chiens là ils sont très affectueux, avec les enfants c'est encore pire quoi. Je sais pas, on dirait que, je sais pas, enfin c'est comme tous les chiens vous allez me dire, oui. Mais
avec les enfants, il est adorable, quoi. J'ai jamais vu ça. Il est vraiment adorable. Donc voilà. Bon, maintenant, au début, quand je le promenais, par exemple, et il me collait aux pattes, quoi. Enfin, aux pattes, façon de parler. Bon, il me collait aux pieds. Il avait peur que je l'abandonne, que il avait peur que je le lâche ou je sais pas. Donc, bon, maintenant, depuis un an, ça va mieux. Il a moins peur. Donc voilà, bon, on voit pas très bien avec Camara. Il est un peu petit, hein, aussi. Donc, voilà, petite bête. Hein? Ouh, tu m'aimes. Ouh là là, tu me fais des bisous. Donc voilà, les filles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai des petites vidéos et des petites photos juste après. Vous voyez comment il est dans la vraie vie, quoi. Parce que là, il fait un peu son timide. Hein? Ah, tu fais tout timide. Bah oui, tu fais ton timide, sale gros patapouf, va. Regardez comment c'est. Il est gros, hein. Bon, voilà, bisous les filles. De passion.